my god, t'es là, je suis contente. Hostie, hey, je m'excuse, là, j'arrive à l'improviste. Martin m'a trompé, Chris, pis il m'a mis dehors. Calice, t'imagines, il n'y a aucun respect, sacrement. Je te dis, ça n'a pas d'allure, là. Je m'attendais à ce que ça finisse mal à ta affaire, mais là, il y a des limites à tout. Il m'a pris pour un hostie de con, pis c'est l'aide en plus. Il voyait une fille depuis un an en cachette. J'ai pris son téléphone, pis j'ai écrit à la fille les cochonneries qu'elle m'a répondu. Je te dis, j'ai eu les preuves qu'il me fallait. Ils sont dégueulasses. Pis sérieux, je suis sûre qu'elle est même pas belle pis full jeune. Allô? M'écoutes-tu? Oh, oui. Ouais, t'as fouillé dans les affaires à Martin, mais... Pour découvrir qu'il me trompait, oui, mais pourquoi tu dis ça? Hostie, j'ai besoin d'une bière. Ah non, tu peux pas les boire, ceux-là sont passés date. Anyway, c'est jamais vrai leur histoire de date, là, ils disent juste ça pour qu'on en achète plus. Dis-moi pas que c'est encore ta robe de chambre d'études. T'as vraiment besoin de faire le party. Oh. Check, Steph, tu comprends pas, là. Tu peux pas rester. Faut vraiment que j'étudie toute la nuit. C'est ça, ouais. Je peux pas! Hostie, j'ai hâte que tu te déniaises, toi. Y'a pas juste les études dans la vie, Audrey. Non, je le sais, Steph, mais à soir, faut que j'étudie. Tu peux pas rester. As-tu des biscuits? Hostie, tu me trouves pathétique, hein? Je sais que tu l'aimais pas, Martin. C'est vrai que c'est pathétique en crisse, notre histoire. En effet. Ça a le mérite d'être clair. Je m'excuse, Steph. J'ai ma semaine dans le corps, là. Je savais qu'il y avait probablement une amante, là. Ben, en tout cas, lui, il dit que je m'invente ça. C'est dégueulasse, pareil. Un an. Pis tu sais quoi? Ils disent que c'est de ma faute que j'ai créé ça toute pièce. Il dit qu'il chattait même pas avec, mais c'est clair que je les crois pas. C'est tellement une pute, cette fille-là. En plus, elle écrit comme un prof d'école. J'ai pas pu m'empêcher de regarder s'il y avait son numéro. Puis il l'avait. Ben oui, si j'ai écrit Einstein. Menteur, mais infidèle pour vrai, ça me surprendrait de Martin. Qu'est-ce que tu connais, toi, des relations de couple, anyway? Whatever, je t'ai curé que ce soit compliqué, là. Je sais jamais ce qu'ils pensent, les gars, ils disent jamais rien sans qu'on leur demande. Parce que tu y as rien demandé avant de sauter à tes conclusions. Crime, t'es ben bitch à soir, toi. Ben, crime, je comprends pas pourquoi ça te fait autant quelque chose, hein. Vous êtes quitte maintenant? Ben? Ben non, ça compte pas, ça. Check, Steph. Je m'excuse, je te l'ai dit, j'ai pas le temps. Ok, je voudrais t'aider, là. Je t'aime, là. Mais demain, j'ai un examen d'anatomie, c'est la fin de la session, je suis fatiguée, faut que j'y... Je m'excuse, Steph. Ouais, j'ai clairement le goût de me torcher à la face, puis c'est vrai que t'es plate, ma Falda. Hey! Je m'excuse, Steph! Toi. Bon, ben, je laisse mes affaires ici, par exemple. Mais oui, pas de problème, c'est où j'habite. C'est déjà terminé?